Salut à tous amis Explorers, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ce vlog, on part explorer ensemble donc, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'est un parc naturel qui est situé dans le département des Yvelines. Du coup, toujours avec mon appareil photo, on va essayer de découvrir des spots assez sympas pour photographier tout ça. Alors, on est fin novembre. Voilà, toutes les feuilles sont quasiment parties des arbres. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, on y va quand même. Là actuellement je suis dans le parc de l'abbaye des Vaux de Cernay et il y a un magnifique étang là derrière moi. Donc pareil, je vais aller me promener tout autour, faire la balade, essayer de choper des spots intéressants pour la photo. Après je reprendrai je pense la voiture et on se baladera dans le parc régional histoire de trouver pareil des endroits pour prendre des photos et pour explorer un peu ce parc plus en détail. Donc voilà, je prends photo, vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Ok les amis, donc c'est bon, on a terminé là à l'abbaye des Vaux de Cernay. J'ai pu faire un petit tour de l'étang et faire quelques plans et photos que vous avez dû voir actuellement. Là je vais reprendre la voiture pour me diriger vers les sentiers de Maincourt. Donc pareil, c'est toujours dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. C'est long à dire ça. Voilà les amis, je viens d'arriver au sentier de Maincourt, donc il y a une petite boucle qui est prévue, hein, un sentier de découverte, donc on va le faire et puis on s'arrêtera à ce moment-là s'il y a des photos ou des vidéos à prendre. Voilà, je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on y va. Alors je vous reprends, donc en fait là, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Le sentier de Maincourt, en fait il est situé sur un marais, et c'est ce qu'on appelle une roselière, c'est-à-dire que c'est couvert de roseaux. C'est joli, c'est un peu défraîchi, parce qu'on ne faut pas l'oublier qu'on est quand même fin novembre. Mais il y a quand même une certaine atmosphère, une certaine ambiance qui est plutôt intéressante. Ok les amis, alors je vous reprends là, j'ai bougé d'endroit depuis le sentier de Maincourt. Du coup je suis revenu en ville, j'ai pu grignoter un petit truc et je me suis dit bon, pas loin de Dampierre, en Yvelines, il y a une petite ville qui s'appelle le Perret en Yvelines et là il y a des étangs qu'on appelle les étangs de Hollande et qui en fait étaient rattachés à la forêt de Rambouillet et en fait au domaine de chasse royale. Je vais me rendre directement sur la voie royale et qui permet d'avoir un petit panorama, enfin, je dirais un point de vue sur les étangs. Donc je continue mon chemin tranquillement et je vous reprends dès que possible en espérant que la pluie s'arrête. Ce sera pas très très agréable. Ça, tout ça. Allez, je fonce. Ok les amis, bon, on arrive au but. J'ai pu rejoindre la voie royale, c'est une route qui traverse la forêt et qui va permettre de rejoindre les étangs de Hollande. Vous avez derrière moi là, juste ici, le pavillon de chasse. Donc ça c'était le pavillon de chasse de Napoléon quand il venait chasser dans le coin. Bon, il en reste plus grand chose, ça vaut même pas le coup d'aller voir. Et là devant moi, vous avez la voie royale. Alors c'est parti, on découvre ça. Thank you.
très bien les amis. Franchement, c'est super spot que je viens de vous dégoter là. Les étangs du Perret en Yvelines, les étangs de Hollande, et ben, franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte là des couleurs et tout, je ne sais pas ce que ça rend, mais c'est juste incroyable. Vous avez toutes les couleurs de l'automne, du jaune, du brun, de l'orange, un peu de marron, et puis là-bas au loin vous avez les roseaux. L'étang est parfaitement calme, pas un bruit, c'est juste magnifique. Je suis trempé. Donc, pour résumer, parce que ça a été très vite, j'ai coupé le moteur. Là, on était au Perret en Yvelines. Franchement, c'est un super spot. Là, c'était juste incroyable. Les couleurs, les nuages noirs, mais vraiment, ouais, qui annonçaient la pluie, et finalement, il a plu vraiment pas mal. Et surtout les couleurs de l'automne, juste magnifiques, les roseaux, vous verrez, il y a les plants et tout qui sont juste incroyables. Et à un moment, la pluie est arrivée d'un coup, mais en même temps, le soleil a percé les nuages, et du coup j'avais une lumière mais juste magnifique. Le seul problème, c'est qu'il pleuvait tellement des cordes que je pouvais même pas filmer avec le Canon. Du coup, j'ai mitraillé de photos avec l'Alpha 7. J'ai pas de plan vidéo malheureusement, mais c'était juste vraiment incroyable. Ensuite, pendant 20 minutes, le temps de retourner sur le parking, il a plu des cordes. Je suis juste trempé, tout boueux et tout. Sinon, pour revenir juste aux étangs de Hollande, super spot. Moi, je reviendrai certainement au printemps ou à l'automne prochain. Je pense que ça va être fini pour juste. Je sais même pas si vous m'entendez avec le bruit de la pluie. C'est fini pour ce vlog. Je tenais aussi à vous remercier pour les 600 abonnés sur Instagram. Hein, petit à petit, on grimpe. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous soutenir surtout. Et comme vous l'avez vu sur Instagram, deux nouveaux explorers rejoignent la team. Il s'agit de Loïc Julien et de Sam John. L'un vit à Toulouse, l'autre dans la Drôme, et rejoindre l'équipe juste pour tourner des vlogs et pour poser du contenu vidéo, vous faire découvrir leur région. Donc vraiment, je mets les liens de leur compte Instagram dans la description, et n'hésitez pas à les checker parce que c'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Donc je pense qu'on va bien s'éclater cette prochaine semaine. Je crois savoir qu'il y en a un qui a déjà fait un vlog et qui vous présentera ça très rapidement. Je vous dis à tantôt. Allez, ciao. Oh,